plaisir. C'est parti? Bon, c'est parti, la course est commencée. Et Benoît, à cause des bras, ça a été la semaine en Belgique. Comment ça s'est passé? Ouais, ça a été, même si j'attendais mieux sur la flèche wallonne. Mais voilà, le résultat est comme il est, malheureusement. Et j'ai pas pu faire. Ouais, bien mieux que 13e sur cette montée finale. Mais j'ai vu un très beau travail collectif tout au long de la journée et on va s'épuiser dessus pour la doyenne demain. Et qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à faire mieux? Oui. Il y a peut-être, j'ai peut-être moins travaillé l'effort vraiment lactique qu'il faut pour la flèche wallonne. J'ai peut-être essayé plus de me construire en tant que coureur un peu plus complet. Mm-hmm. Et après ça, il y avait aussi le pollen, je pense, qui était vraiment présent mercredi dernier avec une bonne température et quand même le soleil, il y avait beaucoup de pollen. Donc, ouais, je pense qu'on parlait dans le peloton, il y avait pas mal de coureurs qui étaient embêtés mercredi dernier. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, ça c'est une course différente des mains. Quelles sont les attentes chez Sagesser pour faire Liège-Soissons-Liège? Oui, c'est sûr que c'est une course différente. C'est une course qui est plus longue où les difficultés sont différentes. Et une course aussi un peu plus de stratégie où il peut y en avoir plus en tout cas. Donc nous, l'objectif est de placer quelqu'un sur le podium. C'est vrai que c'est un monument et un podium est déjà beau sur un monument, même si bien sûr on cherche toujours une gagne. Et voilà, une gagne qu'on n'a pas réussi à avoir avec le collectif GDR Citroën Team. Je pense à notamment Oliver qui a fait deuxième de Milan-San Remo. Je pense à Greg qui a fait troisième sur le Tour des Flandres. Romain Bardet qui a fait troisième aussi sur Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà, c'est une victoire qu'on a du mal à aller chercher avec le collectif et on espère un jour l'avoir. Ok. Peut-être tu vas la boucler demain? J'espère, ça serait une bonne nouvelle pour le collectif et pour moi. Merci et bonne chance demain. Merci.